Bonjour et heureux de vous voir sur notre chaîne, aujourd'hui nous vous donnons une petite news. Demain nous appartient en avance et en avant-première avec le résumé complet de l'épisode 926 du 14 mai 2021. Vendredi, Sophia embrasse Adrien, Ben et Solène sous le choc. Dans votre série quotidienne, Sophia embrasse Adrien. Ben et Solène sont sous le choc après avoir constaté qu'il manque 20 000 euros dans la cagnotte. Et la photo reçue par Garance est en fait un montage. Sophia confie à Aurore sa déception face à l'attitude de ses deux pères qui se mêlent de sa vie privée. Si elle ne cautionne pas le fait que William et Samuel aient interdit à Adrien de ne pas s'approcher de Sophia, Aurore avoue cependant à sa fille qu'Adrien n'est pas le petit ami qu'elle rêvait pour elle. Elle essaie de se justifier et dépeint le fils d'Alma comme étant un peu flambeur, instable et séducteur, un peu comme Samuel à son âge. Sophia est déçue. Elle refuse cependant d'être infantilisée et prend les choses en main sur les conseils de Nord. À l'hôpital, avec l'aide de son ami, Sophia fait croire à William et Samuel qu'elle ne se sent pas bien, et qu'elle a une douleur au cœur. Inquiet, ils lui font passer des examens, mais tout est normal. Sophia passe aux aveux. Elle a une peine de cœur. Sophia aimerait faire comprendre à ses deux pères qu'elle n'a pas besoin qu'ils se mêlent de ses relations amoureuses. Mais peine perdue. Pour William, le numéro qu'elle vient de leur faire n'a servi qu'à démontrer son immaturité. Pendant ce temps, Alma remarque le visage triste de son fils et le pousse à se confier. Adrien lui avoue penser sans cesse à Sophia. Il lui confie aussi sa crainte que cela mette à mal son couple avec Samuel s'il sort avec la jeune fille. Alma se veut rassurante. Tout va bien avec Samuel, et même si parfois ils sont en désaccord, c'est à elle de gérer. Alma encourage son fils à foncer s'il tient vraiment à Sophia. Adrien se rend au lycée et fait son mea culpa auprès de la jeune fille. Il regrette d'avoir été si obéissant à Samuel et William, et avoue à Sophia qu'il pense sans arrêt à elle. Adrien entraîne ensuite Sophia sur les hauteurs de Sète pour un pique-nique. Il a même pensé à sa boisson préférée. Face à une vue imprenable sur la ville, il lui propose de devenir sa petite amie clandestine, leur histoire restera secrète. Amusée, Sophia accepte et l'embrasse. Mona se lance dans un challenge TikTok. Sans demander l'autorisation, Camille a posté sur son compte TikTok la vidéo Busy Challenge de Chloé dans laquelle on la voit se déhancher d'une manière lascive. Et la vidéo a déjà fait le tour du lycée. Sophia, Nord et Jules félicitent leur professeur pour avoir relevé le challenge. Chloé est gênée et demande à Camille d'effacer la vidéo. Chez les Delcourt, Camille fait part de sa déception à Maud. Mona a écouté leur conversation et leur propose son aide. Et c'est une Mona totalement transformée et sexy qui se prête au jeu malgré ses problèmes de dos. Chloé et Xavier sont au spoon lorsqu'ils découvrent la dernière vidéo postée par Camille. Georges les surprend en train de rire. Xavier se prend un malin plaisir à lui montrer la vidéo de sa mère en train de se déhancher. Gêné, Georges appelle aussitôt Mona. Ben et Solène découvrent qu'il manque de l'argent dans la cagnotte. Karim a travaillé de nuit, et lorsqu'il rentre à la maison, Anna et Garance lui font part de leur découverte de la veille, et lui montrent la pochette de Clémentine avec tous ses papiers d'identité à l'intérieur. Karim a désormais assez d'éléments pour en informer le procureur. Sacha surprend Solène sur son téléphone, et la soupçonne de continuer à discuter avec Gaspard. Mais l'adolescente ne se démonte pas. Elle est bien déterminée à continuer à le voir et à lui envoyer des messages. Sacha fait preuve d'autorité, et confisque aussitôt le téléphone et l'ordinateur de Solène. Ben intervient, mais Sacha menace son fils de lui confisquer les siens s'il les prête à Solène. Au lycée, Solène rapporte à Mathilde que son père a pris son téléphone. Mathilde lui prête volontiers le sien pour qu'elle puisse appeler Gaspard. L'adolescent est soulagé d'entendre la voix de Solène. Il a eu peur qu'elle ne veuille plus lui parler. Au commissariat, Karim demande à Georges d'agrandir la photo reçue par Garance. Il veut être certain que Clémentine porte sur ce cliché le même médaillon que celui que Garance a retrouvé dans la chambre de sa mère. De son côté, Ben surprend Sacha en train de pleurer un foulard de Clémentine à la main. Ben essaie de réconforter son père et l'encourage à tenir bon, persuadé que Clémentine va revenir à la maison. Il en profite pour plaider la cause de sa sœur, mais sans succès.
Entre l'attitude de son père vis-à-vis de GF16 et le départ de Clémentine, Solène peine à se réjouir que son opération approche. Ben suggère à sa sœur de regarder la cagnotte, mais il constate avec stupeur qu'il manque 20 000 euros. Sacha essaie de les rassurer. Il prétend qu'il s'agit d'un malentendu et qu'il va contacter le site. Karim a fait venir Anna et Garance au commissariat pour les tenir informés. La photo de Clémentine reçue par Garance est en fait truquée, il s'agit d'un montage. Quelqu'un se donne beaucoup de mal pour faire croire que Clémentine est à Rome. C'est pourquoi, le procureur a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. N'oubliez pas de soutenir notre chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo afin que nous soyons motivés à travailler, encore une fois merci sincèrement.